Je suis heureux de te retrouver spécialement en ce tout début d'année. Et comme tous les débuts d'année, eh bien, j'ai le souhait de te présenter les meilleurs vœux, mais les plus sincères. Alors ces vœux, je te les fais depuis Corleone, en plein centre de la Sicile. Tu sais, ce petit village qui a inspiré Coppola pour la série Le Parrain, Corleone, la cité de la mafia, c'est marqué partout et on ne peut pas l'oublier. Et là, à l'instant, je viens de me faire arrêter pour demander si j'étais un journaliste, mais alors avec un regard bien sicilien. Mais ça ne m'empêche pas de te faire cette vidéo, j'ai dit que j'étais youtubeur et tout se passe bien. Tu me connais, j'évite les formules de politesse parce que si je souhaite quelque chose, je le souhaite sincèrement. Et ça va au-delà de bonne santé, bonne année, que tes vœux se réalisent, le meilleur succès. Je te souhaite de te réconcilier avec l'échec parce que c'est cette image que tu as de l'échec qui t'empêche d'arriver et d'atteindre tes objectifs. Tu sais, ces objectifs que tu viens de te faire là en début d'année. Réconcilie-toi avec l'échec et considère l'échec comme une étape indispensable du succès. L'échec n'est pas une finalité. En fait, j'ai envie de te faire une petite allégorie. Corleone, je suis venu ici pour voir cette vieille cité médiévale, ancestrale. On voit ces images de ces merveilleux vestiges qui font toute la beauté de cette petite ville. Eh bien, l'allégorie que je t'offre aujourd'hui avec ces vœux, c'est de comprendre qu'il faut cesser parfois de vivre dans la nostalgie et de vivre dans le passé. Même si on aime y retourner, comme moi je viens de le faire aujourd'hui à Corleone pour voir ces murs, notre vie est tournée vers le futur, vers l'avenir. Cesse d'avoir des regrets, cesse de ressasser le passé et de penser que cette vieille pierre est la seule solution et la seule voie que tu puisses choisir dans ta vie. La vieille pierre, elle est là, elle fait partie de l'histoire. Là, ici, tu le vois, il y a le petit château, il y a ces églises. Corleone est riche de 40 églises, c'est un truc de fou. Tout à l'heure à midi, ces 40 églises ont sonné en même temps, c'était un truc de fou. C'est fabuleux. Mais quand bien même le passé est fabuleux et nostalgique, tout ce qui se passe est devant toi. Cesse de te torturer, de te faire mal en te disant que tu as des regrets, en te disant que c'était mieux avant, en te disant que ce qui s'est passé avant t'a blessé ou t'a meurtri. Tout ce qui se passe, c'est maintenant et demain. Cette année, je te souhaite de t'entendre avec toi, de te foutre la paix, de te mettre moins de pression et surtout d'avoir plus d'indulgence avec toi-même pour que tu puisses t'aimer toi plus et si tu t'aimes plus, tu aimeras également les autres mais également ce que tu vis. Je te souhaite une merveilleuse année 2020. À très vite. Et même petit Louis, il vous souhaite une très bonne année. Hein ? Tu fais coucou ? Bonne année ! Bonne année ! Bonne année tout le monde ! Mmh.